parti. Allez, nous démarrons les deux bouts, les deux pieds légèrement écartés, largeur de vos hanches. On va commencer par réchauffer un petit peu les muscles du cou. Donc, je vous propose ici de venir descendre la tête vers l'avant. On fait la même chose vers l'arrière. Grandissez-vous, rentrez bien le ventre, baissez vos épaules. Et à nouveau, devant, derrière. Encore une dernière fois, devant, derrière. Et on revient face et côté. Menton, épaule. De l'autre côté encore. Et une dernière fois. Ok, vous revenez pour faire deux tours, deux grands tours. Avec changement de rotation au bout de deux tours. Grandissez-vous, descendez bien vos épaules. Et on change de sens. Et on revient face. On va engager l'étirement par la tête sur le côté. Vous fléchissez vos jambes, vous dépliez, vous déroulez le bras et vous remontez sur demi-pointe au final. Grandissez-vous, rentrez le ventre et la même chose de l'autre côté. Et la tête, fléchissez les jambes, dépliez, tirez bien toute la partie latérale et repoussez avec le bras et sortez les talons du sol. Et encore une fois, de chaque côté, le cou, la tête, le déplié, bras, les jambes fléchies, gardez bien les genoux dans l'axe et remontez, demi-pointe. Même chose de l'autre côté, tête, coude, et tirez, 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 et remontez. Bien, nous allons maintenant faire la même chose avec un enroulé vers l'avant. Je vais me mettre sur le profil pour que vous voyez mieux. Donc, on va enrouler la tête, on va fléchir les jambes et amener les mains au niveau des genoux. À partir de là, c'est de rentrer le ventre le plus possible, repousser les épines dorsales vers le t-shirt et étirer le dos en commençant par projeter le bassin dans une diagonale et essayer d'aligner les vertèbres pour trouver un dos bien plat dans une petite diagonale. Essayez bien sûr de rentrer le nombril le plus possible. Et à nouveau, en gardant la même flexion jambe, rentrez le ventre, repoussez les épines dorsales le plus possible, expirez, et revenez dans un bel étirement. Gardez bien les épaules basses et projetez la tête le plus loin possible de vos épaules. Enfin, relâchez pour dérouler. Puis lorsque vous déroulez, vous allez chercher à monter les bras dans le plan horizontal. Essayez ici de fermer vos yeux et monter sur une demi-pointe. Ouvrez les yeux, réouvrez-les et descendez. La même chose, un petit peu plus bas. On reprend l'enroulé de la colonne par la tête. Laissez les mains descendre cette fois-ci au niveau des tibias. Repoussez à nouveau le ventre le plus possible vers la colonne vertébrale, puis projetez le bassin, lombaire, dorsal, cervical. Vous êtes donc dans un plan un petit peu plus horizontal. On essaie de laisser les épaules très basses. On essaie par contre de projeter la tête toujours très loin. À nouveau, rétroversez le bassin, rentrez le nombril, projetez bien les épines dorsales, lombaire d'ailleurs et cervicale aussi. Et à nouveau, expirez dans l'étirement. Et enfin, relâchez, abandonnez les bras et déroulez votre dos en remontant sur jambes tendues avec des bras qui vont progressivement s'ouvrir. Montez cette fois-ci jusqu'en haut sur demi-pointe. On tente de fermer les yeux à nouveau. Et on redescend doucement les talons. Et on réouvre les bras. Dernière fois, enroulez jusqu'en bas cette fois-ci. On fléchit les jambes. On laisse la tête descendre, les bras complètement relâchés. Essayez de descendre jusqu'en bas ici.
Et là, on va essayer d'étirer le dos en essayant de garder les mains au sol à plat. Projetez une diagonale. Gardez bien les jambes fléchies. Projetez donc ce dos dans une diagonale. Et essayons d'allonger un petit peu plus les jambes alors que la tête ici vient chercher le sol. Essayez d'expirer sur cette tentative d'allongement et d'étirement des ischio-jambiers. Puis fléchissez à nouveau vos jambes pour aller trouver un étirement du dos dans la parallèle. Ouvrez vos bras. Puis refermez-les devant. Revenez. Cuisses, côtes collées, tête vers le sol. Et déroulez en lâchant les épaules, en rentrant le ventre. Et en revenant ici. Bien! Allez, on passe à quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc, on a bien réveillé le haut du corps. On va poursuivre ici avec un grand étirement. Fléchissez, transférez le poids. Laissez le bras passer devant. Ici, vous pouvez aller jusqu'à jambe tendue ici, dans l'étirement sur la jambe sur laquelle le poids du corps se pose. Allez, je compte jusqu'à 8. C'est parti. 1. Suspend 2. Suspend 3, baisse l'épaule. Suspend 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et on enchaîne avec, ici, une rotation des épaules avec deux bras qui s'étirent devant et derrière de part et d'autre. Un retour sur jambes fléchies, les bras reviennent ici fléchis, main poitrine, pour aller trouver l'autre côté. On fait ici, fléchis. Il n'y a qu'une jambe qui se tend, hein, c'est celle qui se trouve ici derrière lorsque j'effectue la rotation. Les deux jambes fléchies sur un retour centre, la jambe derrière tendue. Pensez à bien maintenir un ventre gainé. On est parti ensemble, on démarre d'ici. Allez, 8 fois, et ça fait 1, 2, fléchis, et 3, 4, engage une belle rotation. 5, 6, 7 et 8. Et revenez. Impec. On enchaîne avec genou-poitrine. Ici, de profil, ça donnera genou le plus près possible de vos côtes, ici, de votre poitrine. Et vous allez tenter une ouverture ici par le talon, jambes tendues si vous pouvez. Jambes de terre fléchies et je reviens. Et on essaye de faire ça 8 fois. On est parti. Commencez par rattraper votre genou. Essayez de bien répartir le poids sur l'ensemble du pied. On est parti, on lâche. Allez, courage. Et ça fait fléchis. 1, 2, par le talon. 3, 4, 5, 6. 7, 8, parfait, relâchez. Donc là, on renforce hein, bien sûr la jambe de terre, l'ensemble des muscles de la jambe. On y va avec l'autre genou. Quand visez-vous, rentrez le ventre. On est parti. Et 1, talon. 2, portez le regard loin. 3, 4, 5, 6. 7, 8, et on revient. Impeccable. Allez, on est parti avec ici un étirement à suivre en bas. Je relâche bien. Ça roule et je dépose mes genoux et mes fesses. Okay. Allez, on est là. On est ici. Je vais me positionner parce que vous ne voyez bien là. On va commencer. Il va étirer donc toute la chaîne ici postérieure, puisque jambier et mollet. Je vous propose de commencer par essayer de vous grandir. Puis vous allez pousser jambe droite par le talon. Puis jambe gauche. On va étirer ici, pointe de pied droite, pointe de pointe gauche. Ramène et ramène. Et jambe gauche et pied gauche. Et pointe, ramène. Ramène, et tire, pointez, pointez, amen, amen. À gauche, essayez de maintenir votre dos le plus droit possible. Et
Ramène, ramène les pieds droits, les pieds gauche. Étire, étire, ramène les deux ensemble. Essaye de grandir le plus possible ici. Le dos, projetez bien vos deux talons. Ouvrez vos bras, fléchissez vos jambes. Attrapez les crevaux. Essayez d'étirer le plus possible avec la projection côte sur les cuisses. Armez vos talons. On essaie de descendre un petit peu plus bas. Laissez les mains glisser, glisser le long des mollets. Attrapez les orteils. Gardez vos jambes fléchies dans un premier temps. Essayez de déposer vos coudes sur les genoux. Étirez la colonne vertébrale. Grandissez-vous. Vous pouvez aller donc ici jusqu'à bras tendu. Essayez d'allonger la colonne vertébrale. Un bras. Le deuxième. Et on replonge ici à nouveau. On essaie de projeter toujours la tête le plus près possible des orteils. Étirez bien la colonne. Lombaire, dorsale, cervicale. Les deux bras reviennent. Et j'allonge les deux jambes en même temps. J'ouvre les bras. Ok, petite descente sur les abdos. Grâce aux abdos. Et on étire ici. La colonne vertébrale tout en contractant le périnée. Rentrez bien le lombé vers la colonne vertébrale. Expirez bien. Et remontez. Ramenez bien le bassin dans les plans verticales. Et encore une fois. Et descend. Et tire, allonge les jambes. Essayez vraiment de pousser les talons le plus possible. Inspirez et reviens. Bien. Alors, j'ai essayé de construire quelque chose au sol. J'espère que vous allez me voir correctement. Donc ici, je vais juste peut-être vous montrer une fois avant que vous vous mettiez vous-même au sol. Ici, l'idée est vraiment de venir travailler sur la tension en laissant les deux genoux descendre ici de part et d'autre en essayant vraiment de garder les deux omoplates et les deux épaules au sol. Après, on ira chercher ici un étirement, puis je vous guiderai pour la remontée de la jambe, le passage sur le côté, la fermeture, l'étirement devant et la même chose de l'autre côté. Voilà, moi j'espère que vous me voyez bien. On essaye ensemble, vous pouvez descendre tranquillement en laissant ici les bras s'ouvrir sur le côté. Ok, on est parti. Avec, donc, dans un premier temps, les pieds qui reviennent vers les fessiers. Déposez bien le dos largement dans le sol en essayant d'avoir les côtes le plus loin possible du bassin. Puis laissez vos genoux descendre sur le côté gauche, par exemple. Soufflez bien. Essayez de ramener le genou qui est situé au-dessus vers la malléole interne de l'autre jambe. Expirez bien, rentrez le ventre. Puis laissez la jambe ici sortir du sol, cette même jambe qui est au-dessus, hein, pour ramener le genou vers le coude. Puis laissez ici le pied tomber vers le sol, laissez le poids du corps ici permettre l'étirement des ischios, du fessier et également dans le grand dorsal. Soufflez bien. Projetez votre talon maintenant le plus loin possible en essayant d'allonger la jambe et ramenez maintenant la jambe vers le plafond. Pour l'instant, la jambe gauche qui est au sol fléchie est abandonnée. Et puis le genou va sortir progressivement du sol, alors que le bassin lui retrouve pleinement ici son assise. Projetez toujours bien votre talon ici vers l'extérieur, puis étirez votre pointe de pied et allongez le plus possible la jambe et finissez par les orteils. Puis refermez vos hanches, les deux jambes reviennent dans un axe sagittal et on descend avec un talon dynamique la jambe droite qui vient chercher le sol en rentrant le ventre le plus possible et laisser glisser ce talon pour retrouver une des poses largeur du bassin. On va avec l'autre jambe,
genou gauche et genou droit descendent sur le côté en essayant de maintenir omoplate épaule ancrée dans le sol. Soufflez bien, essayez de ramener le plus possible le genou gauche sur la malléole interne de la cheville droite. Puis laissez glisser ici la jambe gauche donc vers la main droite sans rien bouger dans l'ancrage du dos dans le sol. Essayez de bien remonter le genou vers le coude de façon à bien étirer donc derrière. Puis projetez votre talon, gardez bien l'omoplate gauche dans le sol, allongez la jambe le plus possible et revenez lentement, déposez tranquillement le bassin. Le genou droit va quitter progressivement le sol, mais pas le pied qui lui reste en contact par la tranche extérieure. Vous trouvez un beau relâchement du bassin dans le sol. Étirez le talon, puis pointez à l'inverse les orteils, chevilles très longues et refermez vos deux hanches. Le pied droit bien déposé dans le sol. Puis à nouveau par le talon, descendez cette jambe dans le plan sagittal, rentrez bien le ventre, trouvez un très bel étirement de la colonne vertébrale. Et enfin, laissez glisser le pied gauche dans sa position initiale. Ramenez genou droit, puis genou gauche poitrine. Ramenez vos mains sur les genoux, exercez une petite pression des deux genoux sur les côtes. Étirez les jambes par les talons, projetez les orteils vers le visage, les deux bras dans le plan vertical. Gardez bien l'ancrage au omoplate et refermez. Je vous propose maintenant de venir travailler sur les abdos avec ici une pression. Vous allez exercer à l'intérieur en plaçant les mains à l'intérieur de vos genoux. Mais on va tenter éventuellement ici, ça sera peut-être plus lisible pour vous au niveau de l'écran. Donc les bras peuvent être tendus ici entre les deux genoux. Vous cherchez à écarter les deux genoux qui, eux, résistent le plus possible. Vous n'oubliez pas d'expirer pendant toute cette pression et bien sûr de rentrer le périnée indispensable dans ce genre d'exercice. Donc, on va faire ici 4 pressions et puis on passera à la suite sur un travail toujours oblique et grand droit de l'abdomen au niveau des abdominaux. Mais on passera ici aux adducteurs sur un deuxième temps alors que nous sommes sur un renforcement des adducteurs dans ce premier exercice. Donc, repliez les jambes, pas trop non plus sur vous. Laissez quand même un petit temps pour déposer ici à peu près les poignets au niveau de l'intérieur des cuisses. On y va, inspirez. Allez, pression. Tentez d'écarter les deux genoux, mais tout résiste. Vous avez le périnée très contracté, le ventre rentré. Fin de l'expiration, relâchez. On sent aussi un gros travail du triceps en même temps des deux bras. Inspire et expiration. Et relâchez. Et troisième fois. Et inspire, relâche. Dernière. Et inspire, relâche. On enchaîne avec la dépose des bras sur l'extérieur des genoux, même chose, même principe. Cette fois-ci, j'essaie de refermer les deux jambes et les deux jambes résistent. Inspirez, expiration, périnée contracté, ventre rentré. Vous travaillez énormément de muscles en même temps au niveau du dos, au niveau des abdos, au niveau des jambes et des bras. Et relâchez sur l'inspire, c'est très fatigant. Et deuxième. Et inspirez, relâchez. Troisième. Relâchez.
relâcher. Et enfin, dernière. Et relâchez. Ramenez bien les cuisses sur les côtes. On refait une petite sortie par les talons vers le plafond ici pour étirer les deux jambes. Est-ce que jambes mollets, on va ouvrir les deux jambes et les deux bras ensemble. Lâchez bien le poids. Vous pouvez fléchir les jambes, évidemment. Déposez vos deux bras dans le sol. Laissez-les remonter vers les oreilles sans engager la montée des épaules. Et fermez bras et jambes ensemble. Les deux jambes reviennent dans un plan vertical ainsi que les deux bras. Et refermez vos deux jambes, réouvrez vos bras. Les deux pieds vont retrouver le sol très lentement. Contractez bien les abdominaux, contractez le périnée. Et une fois que vos deux pieds ont retrouvé le sol, laissez vos deux genoux descendre sur le côté. Et refermez-vous sur le côté. Et on remonte. Et nous revoilà dans la position assise. Bien, on en a fini ici. Avec la position sur le dos, on va passer à genoux si vous le voulez bien. Ici, les deux mains déposées largeur de vos épaules. Voilà. Les deux genoux largeur de vos hanches. On va laisser vos deux pieds se positionner orteils dans le sol. Grandissez-vous, étirez la nuque loin des épaules et poussez avec les deux mains, bras tendus. Les fesses vers le plafond. On essaye de commencer ici. Une première approche du chien tête en bas. On va fléchir une jambe et allonger l'autre en essayant d'aller projeter le talon le plus près possible du sol. Maintenez le plus possible la tête entre vos deux bras tendus. Et ramenez jambe fléchie. Et l'autre jambe s'allonge. Rentrez le ventre, étirez la colonne. Projetez bien la tête loin des épaules. Et fléchis les deux. Encore une fois de chaque côté. Allongez. Jusqu'au bout. Et revenez sur l'inspire. À nouveau sur une nouvelle expire. Allonge l'autre jambe. Et revenez. On passe aux deux jambes tendues. Essayez de garder la qualité de placement du dos. Un joli V à l'envers. Et venez ici, ramenez les épaules au-dessus des poignets en déplaçant légèrement vos deux appuis. Rentrez bien le ventre, vous êtes en gainage ici. Poussez vos deux talons vers l'arrière. On essaye de faire une fameuse ouverture sur le côté. Ouvrez bien ici et projetez le bras vers l'oreille sans pour autant monter l'épaule. On essaye de passer ici face en laissant le bras devant et on repose la main. On essaye de l'autre côté. Étirez, étirez, étirez. Projetez votre bras vers l'oreille. Descendez l'épaule et passage face, un petit peu délicat. Rentrez bien le ventre et reviens. Et revenez en chien, tête en bas. Je vais avancer un petit peu pour pouvoir ici développer ma jambe. Donc, vous allez passer le poids sur une jambe seulement et la jambe droite, par exemple, va venir se développer en étirant le plus possible la jambe par le talon. Soufflez bien. Étirez vos orteils, votre cheville et revenez en ramenant le genou le plus près possible du poignet droit. Restez ici en gainage et reposez le pied. Même chose de l'autre côté. Repositionnez-vous en chien tête en bas. Repoussez bien les talons vers le sol. Et passez le poids du corps sur l'autre jambe pour déployer la jambe par le talon. Repoussez bien le sol, bras tendus. Essayez de rapprocher le talon de la jambe de terre du sol. Et
jolie pointe de pied. Et revenez doucement avec un genou qui revient vers le poignet. Serrez bien le ventre. Repoussez les oreilles le plus loin possible de vos épaules. Et reviens en gainage. Déposez vos genoux. Et enfin, la position de repos. Ici, détendez-vous en laissant les mains glisser vers l'arrière. Ici. Déposez les coudes. Déposez les mains. Relâchez. Et on étire la colonne vertébrale, la fameuse table basse. Essayez de projeter le visage face au parquet. Et on remonte ici dans une diagonale. Allez, on passe à un travail de bras. On essaie de, voilà, vous verrez bien là avec des petits battements. Pour essayer de travailler particulièrement le triceps, le ventre rentré. Pour ceux qui souhaitent y travailler un peu plus encore, vous pouvez aller chercher un renforcement du quadriceps en sortant les fesses au-dessus de vos talons. Allez, on essaye d'en faire 30 dans un premier temps. C'est parti, soufflez bien. Je vous propose d'inspirer sur 3 battements et d'expirer sur 6. Inspiration, c'est parti sur 3. Et expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3, 4. 5, 6, inspire, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, et relâchez les deux coudes dans le sol. On va se refaire une petite série encore, lâchez bien la tête, les coudes. Allez, on refait une petite série. Je vous laisse compter les inspires et les expires. Cette fois-ci, je vous promets, on en fait 30 et pas plus. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Dans le sol. Ok. Allez, on y va ici. Avec le chat. Dos rond. Repoussez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Gardez bien la tête dans le prolongement de la courbe du dos. Inspiration. Relâche pour placer sur une nouvelle expiration le bassin. En antéversion. Puis une inspiration qui va nous permettre d'ouvrir un tout petit peu plus encore ici la cage thoracique. Et reviens sur l'expiration. Inspirez encore une fois. Expiration. Repoussez les épines vertébrales. Rentrez le ventre. Et inspire, relâche. Expiration, rentrez le ventre, passez en antéversion. Et puis pour le haut du corps, inspirez. Laissez les épaules basses. Et relâchez. Bien. Un petit travail plus sérieux encore sur les abducteurs. Abducteurs moyen fessier, en laissant la jambe de terre. Cuisse bien à la verticale. On essaie de faire des petits battements verticaux pour commencer. On en fait 20 de chaque côté. Je vous place comme ceci. Vérifiez bien que votre cuisse reste à la verticale. Projetez bien la tête loin des épaules. Rentrez le ventre. C'est parti pour 20 petits battements. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Courage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et repos, on passe par talons-fesses.
Et on repart. Remontez, genoux légèrement écartés, les mains, largeur de vos épaules, déployez votre jambe. On est parti. Attention, un placement de votre dos. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et repos. Soufflez. Et déroulez la colonne vertébrale. Bien, on passe aux écarts. Je ne vois pas d'ici ma... Je vais chercher juste ma petite pendule. Pour être bien dans les temps, pour ne pas que je déborde. Voilà, j'y suis. C'est bon, j'y suis. Je suis dans les temps. Impeccable. Allez, on est parti. Jambes écartées. Grandissez-vous. Essayez de bien vous installer sur vos deux ischions. Et on enroule la colonne vertébrale par la tête. Enroulez, enroulez. Laissez la tête descendre près du sol. En lâchant les bras le plus possible. Déposez vos mains, paume de main vers le parquet. Essayez à partir de là de projeter le bassin, les lombaires, les dorsales, jusqu'à arriver, bras tendus, une tête dans le prolongement du dos et à nouveau, on tente bien sûr de lâcher les bras et les coudes. Vous faites ce que vous pouvez bien évidemment. On abandonne la tête en dernier et on redéroule doucement la colonne et on reprend ici une ouverture bras. On va projeter le bras au-dessus le plus loin possible, porter la main sur le côté au-dessus du pied et remuer de l'autre côté. Gardez bien la fesse opposée dans le sol, étirez et reviens. On reprend, étire et ouvrez le bras opposé, descendez bien votre épaule. Revenez sur le côté et prenez doucement ainsi la translation et la torsion qui nous amène le plus possible face au sol. Descendez bien les coudes. Laissez passer le coude devant le genou. Ouverture du bras. Repoussez avec votre main. Et repositionnez le bras le plus possible dans le plan vertical. Regardez votre bras descendre vers l'arrière si vous le pouvez. Puis revenez côté. Redéployez. Et marchez avec vos mains pour revenir le buste devant. Et un peu plus loin encore, essayons de lâcher les bras à nouveau, la tête. Sans que les genoux ne rentrent vers l'intérieur. Et redéroulez. Et la même chose de l'autre côté. On commence par allonger le plus possible. Il faut que ça étire le côté. On ouvre le bras opposé. On remonte. Et on prolonge en maintenant bien la fesse opposée dans le sol. Essayez de rapprocher tête, orteil. Positionnez le coude devant, le coude ou le poignet, ce que vous pouvez. Et ouvrez bien le bras au-dessus de l'oreille. Ne cachez pas votre visage, gardez l'épaule basse. Et regardez votre bras monter vers le plafond. Laissez-le descendre vers l'arrière, légèrement. Revenez. Et redéployez vers le talon pour marcher vers l'avant le plus loin possible. Déposez vos deux paumes de main. Essayez de descendre les coudes le plus près possible du sol. Relâchez bien. Et déroulez. On reprend une belle ouverture, tension au dos droit. Donc là,
J'ouvre sur le côté, je dépose ma main et je viens chercher un étirement au bras. Je cherche une petite inclinaison. Et je reviens. Je réouvre les bras, je reviens face, même chose de l'autre côté. Ouverture. Et le bras monte. Déposez bien vos 5 doigts de la main derrière la fesse pour vous aider à vous maintenir le dos le plus droit possible. Et reviens. Les bras qui s'étirent. Et ici, les deux ensemble. Tour complet. J'étire. Loin, les bras continuent leur chemin vers l'autre pied. Ouverture. Et revenez. La même chose de l'autre côté. Rentrez le ventre toujours allongé. La taille, étirez votre nuque et face à la jambe. Revenez face. Et alors, essayez d'aller un tout petit peu plus loin en déposant les mains derrière les fesses. Repoussez ici. Soufflez bien. Ça tire fort. On essaie de lâcher, garder. Ok, et on va chercher les copropités. Et on relâche. On tend bien les jambes. Bien, on ramène les deux pieds sur l'un contre l'autre vers les fessiers. Réouvre les bras à nouveau et cette fois-ci on va chercher un étirement sans poser les mains dans le sol. Donc on essaie vraiment de garder, surtout ne vous laissez pas embarquer ici par le poids, laissez bien l'ancrage de la fesse se poser et on revient face. Même chose de l'autre côté. Gardez bien toujours la tête dans l'axe de votre dos, pas très facile cet étirement sur le côté sans basculer. Si on va plus loin, on va pouvoir déposer la main et s'étirer ici. Gardez contact orteil-main avec les deux poignets qui se croisent. On projette la tête le plus possible vers l'avant. On fléchit les genoux, on retrouve notre dos très plat. Gardez cette volonté d'allonger la taille et la nuque en permanence. Et redescendre. Et ramenez les deux pieds collés l'un contre l'autre pour finir votre tour en laissant les bras revenir côté avant qu'ils s'ouvrent. Ici, on refait la même chose de l'autre côté. Déposez vos doigts de la main à côté du bassin et à derrière. Et on y va. Poussez par talons, mains, orteils, croisez les poignets. Projetez la tête le plus possible vers l'avant, étirez la nuque, étirez la taille. Fléchissez vos genoux pour aller trouver un bel étirement du dos. Projetez, projetez. Et relâchez. Bravo. Et bien. Allez, on enchaîne sur le côté. Vous allez vous déposer. Voilà, pleinement sur le côté, avec les jambes tendues, l'avant-bras qui vient sous la tête. Toujours le même principe d'une tête qui n'est pas abandonnée, mais qui est le prolongement ici de l'étirement. Donc, essayez de ne pas vous abandonner, mais de garder cet étirement jusqu'au cervical. On essaye de ramener le genou de la jambe qui se situe au-dessus vers l'aisselle. Allez chercher ce genou avec l'aide de la main. Projetez-le le plus près possible des côtes. Puis, pied flex. Tentez d'allonger la jambe. Tentez d'aller chercher les orteils. La jambe peut être fléchie pour les moins souples, bien évidemment. Chacun fait ce qu'il peut dans cet étirement. L'objectif, c'est d'essayer de rester bien équilibré. Gardez la jambe au même niveau sans appui de main. Puis, déposez votre main devant vous, à peu près à deux mains de vos côtes, et tentons une descente de cette jambe vers l'avant sans engager une bascule du bassin. Rien ne bouge, uniquement cette jambe qui descend parallèle au sol. Et repoussez par le talon pour un retour au départ. Donc là, vous engagez beaucoup le dos
Et également, bien sûr, les abdominaux. On refait une fois. Genoux, faites-le lentement pour bien rester équilibré, pour maîtriser chaque moment. Conservez un bel étirement du dos, pied flex. Projetez votre pied, attrapez vos orteils et essayez de ramener la jambe le plus près possible de vous. Puis lâchez, gardez. Descendez votre main. Gardez bien cette dépose de profil sur le côté lors de la descente de la jambe. Essayez d'amener cette jambe tendue le plus possible parallèle au sol et refermez. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. On va d'abord se replier, laisser aussi le bras s'étendre dans le sol et c'est la jambe qui est au-dessus qui va nous inspirer sur un retour assis. Bien, la même chose. Hop, on laisse les jambes passer de l'autre côté et on se réinstalle pleinement dans le sol. Bien, on va avec la dépose de la tête au-dessus du coude. Vérifiez que vous êtes bien aligné en regardant que vos orteils et pas les jambes. On va, genoux, poitrine. Et projetez le talon, attrapez les orteils. Étirez le plus possible la jambe vers vous. Sans basculer ni le bassin ni les épaules. Et lâchez, gardez. Déposez votre main et descendez lentement la jambe devant vous. Le plus possible, les orteils vers le visage. Et refermez. Repos. Et même chose, genoux, aidez-vous avec la main. Conservez le bel étirement de la colonne vertébrale. Talon, pied flex. Je vais chercher les jambes tendues si je peux. Soufflez bien, grandissez-vous. Lâchez. Et déposez votre main et descendez l'angle de la jambe. Et revenez doucement. Bien. Refermez vos deux genoux. Et la jambe du dessus vous aspire. La fesse, les côtes et la tête. Bien. Un petit peu d'abdominaux. Je vais vous les présenter de dos ici. Regardez juste une fois puisqu'on sera sur le sol. L'objectif est de travailler le grand droit de l'abdomen et les obliques. Donc ici, il va falloir essayez de maintenir le bassin, les jambes dans l'axe. Rien ne bouge. Par contre, vous embarquez ici dans le sol, les bras le plus possible, côté et en bas, pour vraiment travailler donc, le haut du corps. Donc, sollicitez vraiment la cage thoracique ici et bien sûr les abdos. On est parti. Je vous laisse vous positionner. Déposez bien votre bassin, vos deux pieds, largeur de vos hanches et n'hésitez pas à placer vos épaules le plus loin possible ainsi que vos côtes. Déployez vos deux bras dans une diagonale basse. Laissez la tête sortir du sol. N'oubliez pas de contracter le périnée. On va inspirer sur deux glissés. Inspire, inspire et expirez sur quatre. Mouvement, un à droite, un à gauche, à nouveau à droite et à nouveau à gauche. Allez, encore une fois, c'est parti. Et inspire, inspire, expire, 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 expire. Et expire. Encore, et inspire, inspire. Dernière fois, courage. Et inspire, inspire. Périnée contractée. 3, 4. Et relâchez au sang. Soufflez bien. Le retour des deux genoux à la poitrine. Gardez-les près de vous.
Et redescendez-les lentement. Les pieds, pardon. Les genoux vont suivre. Les orteils vont trouver le sol avec une belle contraction du transverse. Et les deux pieds dans le sol. On se reproduit sur le côté de votre choix avec un coude qui vient nous aider à sortir du sol. Donc, repoussez le sol avec le coude, avec la main. Et nous revoilà de retour. Bien, on continue avec les deux pieds largeur de votre bassin. On projette. Sortez bien ici. Le bassin vers le plafond, projetez-le, ça tire dans les quadriceps, et on ramène la main, et ok, hop, et on vient dérouler ici, on va faire un petit peu d'équilibre, c'est parti, allez, on enchaîne, alors, avec ici à nouveau un genou qui va venir chercher la poitrine, donc laissez les deux bras s'ouvrir, d'abord, cuisse à l'horizontale, puis le genou est attrapé par la main du même côté. On va laisser le bras monter ici et fermer les yeux pendant 3 secondes si possible. 1, 2, 3. Réouvrez. Laissez la jambe, je me tourne pour que vous voyez mieux ici. Laissez la jambe se déployer derrière. On essaye de fléchir dans un premier temps la jambe de terre. Puis allongez-la, cherchez bien à rentrer le ventre tout en descendant ici, les deux bras projetés vers le sol. On essaie d'aller placer la tête entre ces deux bras. Projetez vos bras le loin, 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 la tête le plus loin possible. Déposez vos mains dans le sol. Pour ceux qui ont du mal, bien sûr, à tenir, j'ai entendu, fléchissez les jambes de terre. Essayez par contre d'allonger le plus possible votre jambe libre. Bon, on va effectuer 10 petits battements sans élan. Essayez de maintenir le ventre et serrer vers les fessiers. Il n'y a pas ici de grands battements recherchés, mais des petits. 10, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaye de lâcher les mains. On essaie de se maintenir équilibré. Toujours la même dynamique ici, très important. Et les mains dans le sol, fléchissez et déroulez. Lâchez bien vos bras, vos épaules. Et relâchez les jambes. Allez, courage, on fait la même chose de l'autre côté. On va d'abord placer vos deux pieds bien largeur de vos hanches. Montez le genou. Rentrez, étirez la taille de la nuque, montez votre bras. Et on enchaîne avec le passage de la jambe. Oula, derrière, jambe fléchie. Puis tendue pour ceux qui peuvent. Projetez vos bras vers le sol et descendez le buste le plus possible. Déposez vos mains dans le sol. Les 10 battements à suivre, c'est maintenant. Et 1, petit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on lâche à nouveau les deux mains. Et dépose main dans le sol. Réfléchissez et déroulez. Bien, les deux pieds toujours largeur du bassin. Les deux bras montent sur le côté. Et tirez sur le côté le buste. Projetez la tête dans le prolongement. Chose de l'autre côté. Étirez la nuque. Bien, la même chose sur demi-pointe. Ici, hop, montez, montez. Allez, on essaye de
Restez équilibré tout en emmenant à nouveau le buste sur le côté. Projetez le regard loin, ça va faciliter la tâche. Et de l'autre côté, sans reposer vos talons. Et reviens, ouvrez vos bras, restez sur demi-pointe. Fléchissez vos jambes et projetez le buste vers l'avant. Les bras bien ouverts, la tête loin de vos épaules. Et enfin, déposez vos deux pieds. Laissez les mains trouver le sol, la tête se rapproche le plus possible du sol. Laissez le bras droit s'ouvrir, étirez-le vers le plafond, allongez si possible la jambe de terre, du même côté que le bras, et j'ouvre ici toujours le buste en remontant par ce bras qui m'aspire vers la remontée, les jambes tendues. Et je reviens, je repars sur demi-pointe et je fléchis à nouveau pour aller trouver le dos plat et lâcher les deux talons dans le sol, la tête le plus près possible du sol et allonger la jambe du bras qui s'ouvre. Laissez-vous aspirer par cette main. Laissez l'ouverture du buste jusqu'au bout. Et revenez. Bien, allez, un dernier petit exercice d'équilibre et puis après, on se quittera là-dessus. Je vais vous demander à nouveau de monter le genou, mais attrapez-le cette fois-ci avec la main opposée. Laissez le bras s'ouvrir d'abord devant. Poursuivez-le sur le côté avec le regard. Allez chercher derrière ici, essayez de vous maintenir équilibré sur cette jambe de terre tendue. Puis reviens, bras côté, bras devant. Attrapez votre genou avec les deux mains. Essayez de rapprocher encore un peu plus la cuisse des côtes et lâche. Même chose de l'autre côté. Genou et main. Grandissez-vous. Projetez le bras dans le plan horizontal et sagittal. Ouverture. Et projetez derrière. Et revenez. Poursuivez le bras avec le regard. Allez chercher le genou. Remontez. Et déposer. Bien, ça va être la fin de notre cours. Nous allons finir par nos fameux relâchés. Prenez le temps d'inspirer. Vous pouvez même aller jusqu'à monter sur vos demi-pointes pour aller chercher très haut avant d'abandonner vraiment ici les genoux, le buste et les bras sur une longue expiration. On est parti. Allez, inspirez. Et relâchez. Un, et deux, et trois, et quatre. Et un, deux, trois, quatre. Dernière fois. Et lâchez, 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 lâchez. Et ouvrez. Merci à tous d'avoir suivi ce cours Gym Douce. Je vous retrouve sur d'autres replays ou d'autres Zooms en live et, ou sur la chaîne YouTube également.